Alors nous sommes donc arrivés Daf Yud Zayin de Hagiga pour bien sûr Alef Tishrei, premier jour de Rosh Hashanah. Hashem Zaken Elahim Tovim Shalom et Yichteven Elahim Tovim Shalom. Amen. Alors Matnitin la Mishnah dit Bet Shamay Omrim Mevi'in Shelamim Ve'en Somchin Alehen Aval Lo Olot. Bet Shamay disent on amène Korban Shlamim à Yom Tov Ve'en Somchin Alehen. Mais on ne fait pas la smicha, on n'appuie pas sur la tête de l'animal. On a déjà développé cette idée. Aval lo olot. Mais on n'a pas le droit d'amener Korban Ola le jour de Yom Tov selon Beit Shammai, puisque Korban Ola il est entièrement pour Hachem. Et pour Yom Tov, selon Beit Shammai, on ne permet que de faire des choses pour les besoins de Ochel Nefesh que les Bnei Israël mangent. C'est toute la Mishnah, on l'a donc, cette Mishnah, enfin, en tout cas, on l'a vu dans Betsa déjà. Ici, elle est répétée. Ou Betilel omrim, mevi'in shelamim ve'olot, besomchin alehem. Betilel, ils disent non, on peut apporter Korban Shamim, on peut apporter même Korban Ola, et on peut même faire la smicha, c'est-à-dire appuyer sur la tête de l'animal, le jour de Yom Tov, selon Betilel, sans problème. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée de la Mishnah, Aseret shechal leyot be'erev Shabbat. Lorsque Shavuot survient vendredi, Beit Shammai omrim yom tebuach achar Shabbat. Ça veut dire quoi? Comme Beit Shammai disent, on n'apporte pas les korban ola le jour de Yom Tov. Donc vendredi, il n'amène pas. Shabbat, non plus, on n'a pas le droit. Donc quand est-ce qu'on fait les korbanot de la fête? Selon Beit Shammai, c'est dimanche. Yom tebuach achar Shabbat. C'est donc après Shabbat, dimanche. Korban etcha, oui. Au Betilel omrim tebuach, c'est ça. C'est des fois les korbanot égorgés. Au Betilel omrim en yom tebuach achar Shabbat. Betilel disent non, pas du tout. Betilel eux ils disent on fait les korbanot le vendredi donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de jour spécifique ici. Maintenant au Modim, même Betilel sont d'accord. Chez Imhalal yot ba Shabbat, que si Shavuot survient le jour même du Shabbat, là tout le monde est d'accord. Chez yom tebuach achar Shabbat. Que la fête, les korbanot, on les amène le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire dimanche. Et dans ce cas, la Mishnah dit, En Kohen Gadol met la bêche bechelav. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'habiller avec ses beaux habits de fête. Pourquoi? On sait qu'il y avait, à l'époque, les Sadducéens, ils faisaient beaucoup d'histoires aux Juifs. Et notamment à propos de Shabbat. Vous vous rappelez, dans le Omer, c'est marqué où Sfartem lachem mim maharat à Shabbat. Pour nous, Shabbat, mim maharat yom tov. C'est-à-dire, au lendemain de Pessah, le deuxième soir de Pessah, on commence à compter le Omer. C'est ce qui se passait au Beit Hamikdash. Les Sadducéens, ils disent non. C'est marqué mim maharat à Shabbat, il faut attendre le premier Shabbat après Pessah. Et donc, si on fait toujours le compte du Omer qui commence samedi soir, automatiquement, Shavuot, c'est toujours un dimanche. Puisqu'il y a sept semaines. Automatiquement. Donc eux, ils disent, Shavuot, c'est toujours un dimanche. C'est pour ça que les Haramim disent, dans le cas où Shavuot est survenu Shabbat, et qu'on l'a repoussé à dimanche, pour enlever l'idée des Sadducéens comme quoi c'est dimanche, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen Gadol, déjà, il met pas ses beaux habits. Deuxièmement, c'est-à-dire que normalement, Yom Tov, même au jour où on apporte des korbanot, même s'il est repoussé, c'est sûr de faire des spédim tarnot, c'est un jour de Yom Tov. Quand quelqu'un apporte un korban, c'est pour lui un jour de Yom Tov. Et là, il dit non, ce dimanche-là, on peut faire des spédim, on peut même jeûner. Pourquoi? Pour donc contredire l'avis des Sadducéens qui disaient que Shavuot, c'est toujours un dimanche. Et donc nous, on veut enlever ça. C'est pour ça qu'il parle de Hasset, il parle de Pessah. Ah, certes, on parle de Shavuot, bien sûr. Gmala, donc ça c'est la Mishnah. Gmala, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hoshaya, Menayin la Hasset et Shishlat Tashlomin, Kol Shiva. Alors, là aussi, c'est une idée qu'on a déjà développée auparavant. Nous, on sait que Pessah, il dure 7 jours, Sukkot, il dure 8 jours. On parle donc en Israël, où on fait 15 jours de Yom Tov. Et Shavuot, ça dure 1 jour. Dans Pessah, on sait que si quelqu'un n'a pas apporté son korban le premier jour, il se rattrape pendant les 7 jours. À Sukkot, il se rattrape pendant les 8 jours, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Maintenant, il dit, « Menayin la Aseret ». D'où on sait qu'à Shavuot aussi, « Yesh tashlumin kol shiva », que si quelqu'un n'a pas apporté le korban le premier jour, enfin, en tout cas, le jour de Yom Tov,
il peut se rattraper pendant les 7 jours. Shenema la Gemara dit Bechag Hamasot uvchag Hashavuot uvchag Hasukot. Comme le pasuk il dit Shalosh be'amim b'shana yedaechu zechud echa etc. Bechag Hamasot uvchag Hashavuot uvchag Hasukot. Donc automatiquement Hachamim ont dit Makish, on a donc fait comparer Hag Hashavuot le Hag Hamasot. Ma Hag Hamasot ishlat Hashomin kol shiva. Av Hag Hashavuot ishlat Hashomin kol shiva. Donc la Gemara dit voilà, on apprend ça, on fait un hekesh avec Hag Hamasot. Comme la Torah, elle a mis les trois fêtes en plus Hag Hamasot, Hag Hashavuot, Hag Hasukot, alors qu'on n'était pas nécessaire. Alors donc on a appris de là que de la même façon Hag Hamasot, la fête de Pessah, il y a 7 jours de Tashomin. Alors, Hag Shavuot aussi, on fait 7 jours de Tashomin, de rattrapage. Il y a 8 jours, Hag Hasukot. Justement. Pourquoi tu ne dirais pas alors que c'est... C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Mais Ema Makish le Hag Hasukot. Et pourquoi on ne dit pas qu'on compare cela avec la fête de Sukot où, justement, il y a 8 jours. Ma Hag Hasukot Isha Tashomin Kol Shemona. Av Hag Shavuot Isha Tashomin Kol Shemona. La Gemara dit, pourquoi on comparait ça, on ne comparait pas cela avec Sukkot. Et il y a 8 jours. Et on ferait donc Shavuot aussi 8 jours. Pourquoi tu as choisi de faire la comparaison avec Pessah et non pas avec Shavuot? La Gemara répond, Shemini averel befne atzmohu. La Gemara dit non. Le 8e jour de Sukkot, c'est une fête à part. Comme c'est une fête à part, tu ne peux pas, donc, confondre ça avec Sukkot et rattraper donc pendant 8 jours. Il n'y a que 7 jours. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Et mort de Amne Shemini, d'ailleurs, le Vénat Smohu, Hanimele, Léanen, Pazel, Kachev, Avale, Léanen, Tashoumin, Tashoumin, Dereshonhu. La Gemara dit, attends, quand tu m'as dit que c'est vrai, Shemini, Atseret, c'est une fête à part, mais pour certains points seulement, pas pour tout. Notamment pas pour le rattrapage, comme on va voir dans la Mishnah tout à l'heure. Mais juste avant, on rappelle quand même cette notion de Pazel Kachev, que Rashi amène ici. Que Pazel Kachev, ce sont des initiales. Le P, le Zayn, le Resh, Kuf, Shin, Bet, pour montrer qu'il y a une différence entre Shmini Atzeret et Sukkot. C'est pas du tout la même fête. Le P, c'est quoi le P? C'est Pias. C'est-à-dire quoi Pias? Vous savez qu'à Sukkot, comme il y a 7 jours, il y a énormément de korbanot. Et comme il y a tous les 24 groupes de Kohanim qui rentrent, qui travaillent là-bas, du coup, on ne fait pas de tirage au sort. On fait participer tout le monde. Alors que, voilà. Mais à Shmini Atzeret, on revient au tirage au sort habituel. C'est ça, Pias. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. À ce côté, il y a plein de Korbanot. Donc, c'est pour ça qu'il dit P. Ça, c'est P, c'est le Pias. C'est le tirage au sort. C'est-à-dire, à Shmini Atzeret, on fait un tirage au sort. Et à Sukkot, non. Donc tu vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Zayin, c'est le Zman. Zman, c'est quoi? C'est Shehyanu. À Sukkot, on fait Shehyanu. Et à Shmini Atzeret, encore de nouveau Shehyanu. Alors qu'à Pessah, non. On fait Shehyanu le premier soir, après c'est terminé. Donc tu vois bien que c'est une fête à part différente de Sukkot. Resh. Regel Bevne Atzmo. C'est quoi Regel Bevne Atzmo? On n'appelle plus Sukkot. Quand on arrive à Shmini Atzeret, on dit Shmini Atzeret de l'Amida, de Barakat Hamazon. Il n'y a plus Sukkot. Kouf, c'est le Korbanot. Effectivement, comme on a dit dans ce Sukkot, il y a, par exemple, Rashi ramène ici, il y avait 14 agneaux chaque jour, plus les béliers, etc. Et les padeh har, bien sûr, les bœufs. Les bœufs qu'on a amenés, vous rappelez, ils allaient en décroissant. On a mon 14, 13, 12, en tout ça fait 70. Tout ça, c'est les korbanot de Sukkot. Quand on arrive à Shmini Atzeret, ça n'a rien à voir. On amène un truc, un comme ça, un agneau, une chose. C'est donc, ça ne suit pas du tout l'ordre de Sukkot. Donc, tu vois bien que c'est différent. Enfin, Shin, c'est le Shir. Shir, c'est les, donc le c'est un chant, voilà, c'est un mizmor à part. Et enfin, le Bet, c'est la Bracha. C'est quoi la Bracha? Il dit, c'est la bénédiction que le roi d'Israël faisait. Zechas que Shlomo Amel, quand il a construit le Bet Amidash, il a fait la Bracha au Ben Israël, Bayom HaShemini. Voilà donc pourquoi la Gemara dit, Shmini Atzeret, il est différent de Sukkot dans ces points-là. Aval, le Ainan Tashomin, Tashomin Dedeshonu. Mais pour le rattrapage,
eh bien, Shmini Aseret, il peut aussi servir de rattrapage au premier jour de Sukkot. La preuve, d'Itnan, c'est ce que la Mishnah nous dit. On a vu ça d'ailleurs il n'y a pas trop longtemps. Mi shelo har beyom tov adeshon shel har, horer et kol aleren, beyom tov haharon. Si quelqu'un n'a pas pu apporter le premier jour de Sukkot son korban, il peut se rattraper les autres jours. Et même, il dit la Mishnah, beyom tov haharon. Même le dernier jour de fête qui est Shmini Atzeret, on peut se rattraper. Donc tu vois bien que Shmini Atzeret, pour le rattrapage, ça marche avec Sukkot, il n'y a pas de problème. Hein? Ils te disent dans cette vraie... Horer et kol aregel, c'est-à-dire Sukkot, 7 jours. Plus... On a vu regel avec les... Non, mais ça c'est, non, ça, c'est la façon de parler de la Mishnah. Horer et kol aregel, virgule, mais on t'en va à Haron. Et après, tu continues, même le dernier jour, c'est-à-dire tu aurais pu penser que non, t'as dit non, même le dernier jour aussi. Donc tu vois bien que Shmini Aseret, on peut rattraper un korban de Sukkot. Alors là aussi, c'est pareil. Pourquoi tu as voulu comparer Shavuot avec Pessah et donc choisir 7 jours seulement, alors que tu aurais pu le faire avec Sukkot et tu aurais eu 8 jours. Via la Gemara répond, Tafasta merobe lo tafasta, tafasta mu'at tafasta. Ça aussi, c'est une idée qu'on a vu, rappelez-vous, à Souka, dans le Maser Souka là-bas, on dit, tafasta merobe, quand tu tiens beaucoup, tu ne tiens pas. Et quand tu tiens peu, tu tiens. Ça veut dire quoi? Si on choisit de dire 8, imagine qu'il s'avère que la loi, ce n'est pas vrai, c'est 7. Donc on s'est trompé. Par contre, si on prend 7 et on prend 7 et on s'est trompé, en fait, il faut 8. Les 7 que j'ai pris, c'est vrai, je ne me suis pas trompé. C'est pour ça qu'on choisit toujours le moins. Voilà, là on est sûr de ce qu'on a pris. Donc là, c'est bon. Mais si tu prends plus, après ça avec c'est moins, tu t'es trompé, une erreur. C'est pour ça qu'on a le principe. Ta face, ta moite, quand tu peux tenir peu et beaucoup, tiens un peu, ce qui est certain, tu es tranquille. Tu prends plus, c'est-à-dire que c'est moins. Voilà, imagine que tu... Voilà, imagine, toi tu dis, voilà, j'apprends de ce code. J'ai choisi 8. Après, ça va que l'alcha, c'est pas vrai, c'est 8, pas 8, c'est 7. Alors donc tu as fait 8 jours, tu t'es trompé. Donc c'est pas bon. Alors, l'Agma a dit, puisque c'est comme ça. Donc, finalement, on a choisi Har Shavuot, on a fait Yerkesh avec Har Hamatzot. Oui ou non? Alors, l'Agma a dit, Lema Yerkhetak, Ella, Lema Yerkhetak, et Bela Hamanan Har Sukkot. Alors, pourquoi la Torah, elle marque Har Hamatzot, ou Har Shavuot, ou Har Sukkot? À quoi est-ce un Sukkot? Puisqu'on est en train de répéter là. Et la répétition de Har Hamatzot, de Har Shavuot, elle nous sert pour qu'on sache et qu'on comprenne que Har Shavuot, tu peux te rattraper comme Har Hamatzot pendant 7 jours. Pourquoi la Torah l'écrit Har Sukkot en plus? Pour rien. Il dit non. La Koshé le Har Hamatzot, c'est pour comparer Har Sukkot avec Hamatzot. Donc à quel point? Ma Har Hamatzot ta'on lina av Har Sukkot ta'on lina. Il m'a dit de la même façon que Har Hamatzot ta'on lina, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il apporte un korban à Har Hamatzot le jour de Pessah, le jour où il apporte un korban, il est obligé de passer la nuit à Yerushalayim, la nuit qui suit. Alors il dit... Non, la nuit qui suit, parce que le korban c'est la journée, c'est pas le soir. Le jour où tu amènes le korban, la nuit qui suit, tu es obligé de rester à Yerushalayim. Donc il a dit, comme à Pessah, c'est marqué comme ça. Alors Sukkot aussi, voilà pourquoi on a marqué Sukkot. C'est pour te dire qu'à Sukkot aussi, il faut donc passer la nuit à Yerushalayim le soir suivant le korban. Maintenant, la Gemara dit Ve'ata Minalat. Et où tu as vu qu'à Pessah, il faut passer la nuit au long, donc après avoir apporté le korban? La Gemara répond tout simplement, il y a un passage qui dit d'Irtiv, Ufanita Vabor, Kadveh Alartale Ohalecha. La Torah dit, après, le lendemain matin, hein, tu retournes chez toi. Pourquoi on nous dit ça? C'est pour te dire que ça veut dire que le soir, tu étais resté à Yerushalayim, tu n'es pas quitté Yerushalayim le jour même. Tu attends, et le lendemain, tu t'en vas. Nan. Alors maintenant, la Gemara va revenir sur cette idée de Rabbi Yeshaya qui a dit, comme on a dit au début, tout à l'heure, mais dit Amar Rabbi Elazar ben Yeshaya que Shavuot, si on n'a pas pu apporter le korban le jour même, on peut se rattraper pendant les 7 jours. Alors la Gemara dit, nan, nous avons vu dans une Mishnah, Aseret Shehal Liyot Ayad Shabbat, dans notre Mishnah. Notre Mishnah, on a dit comme ça, si Shavuot il se vient vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Bet Shamay Omrim, Yom Tebo Hachad Shabbat. Bet Shammai disent, les korbanot, on les amène dimanche. Puisque Bet Shammai disent, le vendredi, en même temps, on n'a pas le droit. Shabbat aussi, c'est assourd. Donc, on attend dimanche. Pourquoi les amène pas le jeudi? Comment tu amènes avant Yom Tov? C'est le korbanot de Yom Tov, on ne peut pas les amener la veille. Ah,
Ovetelel omrim, en la yom teboa. Betelel disent non, il n'y a pas de jour de spécial. Alors moi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de chose? Mai lav en la yom teboa klal. N'est-ce pas, il n'y a pas du tout de rate de jour teboa. Ça veut dire quoi, yom teboa? Ça veut dire que tu ne peux pas te rattraper. Quand on dit, il n'y a pas de jour de faire des korbanot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, Betelel, tu apportes le jour de Shavuot et tu n'as aucun rattrapage derrière. Donc, question contre Rabbi Yoshaya. Contre Rabbi Yoshaya qui a dit, à Shavuot, on peut se rattraper pendant 7 jours. La Gemara dit non, tu as mal compris. Pourquoi tu déduis comme ça? Là, chez Enas, le Chayim Teboua. Toi, tu as compris que si ça tombe vendredi, il n'y a pas de rattrapage. C'est pas qu'il n'y a pas de rattrapage. Il dit, Enas, on n'a pas besoin. Parce que nous, on a dit, Betsama, ils ont dit, quand ça tombe vendredi, tu ne peux pas faire le Korbanot vendredi, tu ne peux pas faire Shabbat, tu les fais dimanche. Mais ils disent non, tu n'as pas besoin de faire dimanche, tu peux les faire vendredi même. Je ne parle pas ici de rattrapage. Moi, je te dis, rattrapage, tu peux les faire 7 jours, il n'y a aucun problème. Rabbi Yoshaya peut te répondre, il n'y a aucun problème. Alors, le Moïse a dit au Maïk Hamasmalen. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, le Betilel? Demka Benabi Ome. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, Betilel? Comme quoi, on fait le Korban le jour même le vendredi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de dire. Betsama, ils disent, on n'a pas le droit, ni Yom Tov vendredi, ni Shabbat, mais dimanche. Et Betilel, ils disent quoi? Non, le vendredi, tu peux amener. Le Moïse a dit, mais attends, j'ai pas besoin de ça, pourquoi? Ha, ifle, go, bahada, zimna. On a déjà vu Betsama et Betilel. Ils ont déjà discuté de cela dans une autre Mishnah. Dites-nous, et on apporte cette Mishnah justement. Bet Shammai omrim, mevi'in shelamim ve'en somchim alehem, aval lo olot. Ou Betelel omrim, mevi'in shelamim olot, ou somchim alehem. Nous, on a vu comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Notre Mishnah a dit comme ça. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit d'apporter. Bet Shammai, on n'apporte pas les korban olot du tout. On apporte shelamim et on ne fait pas l'appuyer. Très bien. Betelel disent, non, on peut apporter korban olot. Ça veut dire quoi? Nous, on a dit, rappelez-vous, pendant les trois fêtes, il y a Aliyat HaRegel, il faut faire Olat Re'iya, obligatoire, le sacrifice de Olat Re'iya. Or, si Shavuot ça tombe vendredi, selon Bet Shammai, je peux apporter comme un Olat? Non, puisque eux ils ont dit, on n'amène pas des Olot. Donc, ils répètent ici quand Bet Shammai dit, si la fête de Shavuot ça tombe vendredi, il faut faire le Korbanot dimanche. Mais merci, je le savais, tu l'as déjà dit une autre fois. La même chose, Betelel disent, tu peux les faire vendredi. Mais je le savais. Dans une autre Mishnah, c'est marqué que Betelel disent, on peut faire Korban Ola, le jour de Yom Tov. Donc pourquoi on répète la même marloque d'une seconde fois? Quoi ça sert? Peut-être qu'il faut apprendre le Shabbat, peut-être. Eh non, pas le Shabbat, pas le Shabbat. Pourquoi il ne peut pas porter Shabbat? Mais c'est Yerushalayim. Non, ce n'est pas une question de porter. C'est quand on apporte des Korbanot. Le Shabbat, on ne peut pas apporter des Korbanot individuels. Shabbat dans le Mesbère, on fait que le korbanot collectif. Or, ça, c'est des korbanot individuels. Au début, chacun il doit apporter son korban. Donc, pourquoi il se répète? L'agma a dit, Sricha, on a besoin de répéter les deux. Pourquoi? Si on nous a appris la première Mishnah, Beha, Kamri, Bet Shammai, Mishum, Dev Shalem, Ahal, Abalachai, Mamodo, Le Betele. L'agma dit, si on prend la première Mishnah, donc il y a deux Mishnah, ok? La première, Bet Shammai dit, on n'apporte pas Ola le jour de Yom Tov. Ici, Bet Shammai dit que si la fête Shavuot tombe vendredi, il faut faire le dimanche. On a dit, c'est la même chose. Ils disent, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Si on a dit que la première seulement, Bet Shammai ils disent, Yom Tov, tu n'apportes pas ton Korban Ola. Moi, j'aurais dit, d'accord, pourquoi tu n'apportes pas? Demain, tu te rattrapes. Quand c'est un jour de semaine normal, d'accord? Demain, tu te rattrapes, c'est pas un problème. Mais, quand c'est vendredi, normalement, on se rattrape le lendemain. Mais demain, on ne peut pas Shabbat. Tu as repoussé deux jours. Bet Shammai, peut-être qu'il changerait d'avis. Peut-être que Bet Shammai disent non, deux jours c'est trop, après on va savoir, les gens ils vont partir, ils vont pas rester. Fais-le le jour même comme Betilel. J'aurais pu penser cela. Il vient te dire que non. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la deuxième Mishnah. Que même dans ce cas-là où la fête est un vendredi, Bet Shammai disent, il faut amener le Korban que le dimanche et pas le jour même. Maintenant, et si on nous apprend cette deuxième Mishnah, donc, dans laquelle on parle de Yeshavot vendredi, c'est un problème de Shabbat ou c'est simplement un problème de semaine? Non, c'est pas Shabbat. C'est le problème de ne pas apporter des korbanot pendant Yom Tov selon Bet Shammai et Betilel les 18. On a le droit de le faire. Vendredi, ce serait Yom Tov. Oui, c'est Yom Tov. Il y en a un qui dit qu'il peut l'amener le vendredi. Bien sûr, c'est Betilel. Bien, Shmuel, si on nous apprend cette Mishnah à nous maintenant avec donc le vendredi, moi j'aurais dit Beha Kamne Betilel. C'est pour ça que Betilel les ont dit, tu l'amènes vendredi. Pourquoi? Mishum de l'Ev Shalem Ahar.
parce que le lendemain c'est pas possible parce que c'est Shabbat. Et puis télé, ils vont dire je peux pas repousser jusqu'à encore dimanche, c'est trop. Aval Beha, mais si c'est un jour normal, mardi ou mercredi, j'aurais dit, eh, ma modo le Bet Shammai. J'aurais dit que Bethélé les 10 fermés, non, tu fais pas le combat le jour même, attends demain comme Bet Shammai. J'aurais pensé cela, c'est pour ça, Tzlicha, il te dit non, monsieur. La Mishnah te dit non, monsieur. Même Bethélé les 10, quand ton corban il vient le jour même de Yom Tov, tu apportes le jour de Chol, tu apportes ton corban le jour même, tu repousses pas. Donc, j'aurais pensé de repousser. Si. On va reposer parce que c'est vendredi Shabbat, d'accord, je comprends. Non, c'est mardi ou le... Et non, au contraire, vendredi Shabbat, Bethélé, ils ont dit on repousse pas. Oui, mais pour Bet Shammai. Pas pourquoi? Et non, Bet Shammai, ils ont déjà dit, on a déjà vu le point de Bet Shammai, mais on voit le Bethélé. Bethélé, ouais. Pour... ils ont dit dans celui-là, dans vendredi, tu le fais, vendredi même. D'accord. Moi je dis pourquoi ils ont... pourquoi tu reposes pas dimanche? C'est trop loin. Ça veut dire que s'il y avait que le du jour au lendemain, Bethélé, ils seraient d'accord avec Bet Shammai. Peut-être. On aurait dit cela. Alors, c'est pour ça qu'on t'a mis la deuxième Mishnah, où Bethélé dit, ah, monsieur, le jour même, tu fais le combat. Le jour de la semaine, voilà. Tu fais le jour même, tu apportes pas demain, c'est pas un problème. C'est les rats, donc, on a besoin des deux Mishnayot. Tashma, l'agma nous apprend. Mi shelo har shivat yemei ha-pesach, shmonat yemei har u-yom tov, v'alishon shel ha-aser, et shof eno horir. L'agma va poser une question encore contre Rabbi Yoshaya. On a vu, c'est marqué. Si quelqu'un n'a pas fait Shivat Yemei Pessah, il n'a pas apporté le Corban pendant les 7 jours de Pessah. Ou bien, Ushmonat Yemei Hag, il n'a pas apporté le Corban pendant les 8 jours de Sukkot. Et on continue. Et il n'a pas apporté le Corban le premier jour de Shavuot. C'est marqué, Shuk et Nahogek. C'est fini. Et pour lui, il ne peut plus se rattraper. Bon, les 7 jours de Pessah, c'est clair. Les 8 jours de Sukkot, c'est clair. Mais là, on voit qu'un Shavuot, il n'a pas de rattrapage. C'est ce qu'on nous dit. Mais là où Yom Tov Shel Atzeret, n'est-ce pas qu'on parle de Shavuot? Et donc, tu vois bien ici qu'il n'y a pas de rattrapage. Question contre Rabbi Yoshaya. Pourquoi c'est pas pareil? C'est lui qui a oublié. Là, on et alors parle, mais c'est pas pareil quand ça tombe, Shabbat l'a fait. Non, 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 non. Là, Rabbi Yoshaya, il n'a pas dit, il n'a pas parlé de Shabbat du tout. Rabbi Yoshaya, il a dit, d'où on sait que Shavuot, on peut se rattraper 7 jours, il a apporté le drachot. Mais il n'a pas parlé de Shabbat. Oui, il se rattrapait. Parce qu'il n'a pas pu le faire. Très bien, celui-là, il a celui-là. C'est lui qui n'a pas fait. Très bien, mais qui a dit que c'est Mésite? On t'a parlé, mais on n'a pas parlé de Mésite. Mais celui qui n'a pas pu faire, il ne peut pas. Donc la maladie, mais là, on te chasse, n'est-ce pas, on parle ici de Shavuot, et donc, tu n'as pas le droit de te rattraper. Question contre Rabbi Yoshaya, il t'a dit, on a 7 jours. Je finirai avec ça, peut-être. Ah non, non, Yom Tov Shel Atzeret, on parle de Shavuot. On a parlé déjà, Shivat Yemei Pesach, Shmonat Yemei Hag, Atzeret. La maladie là, Yom Teboah. L'agma dit non, ici on ne parle pas Yom HaDeshan Shah Aseret, c'est pas le jour de Shavuot. C'est si quelqu'un, le cas nous ici, la fête c'était vendredi ou Shabbat, et il avait le rattrapage dimanche, il ne l'a pas fait, alors c'est fini. Donc il y a un rattrapage. Ah, même pour Bethélé. Oui, non, pour l'instant on ne parle pas de Bethélé, mais non, juste l'agma elle pose une question contre Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya a dit on peut te rattraper 7 jours. Nous on a répondu non, on ne peut pas se rattraper 7 jours, il y a marqué ici. Il lui répond non. On ne parle pas de jour de Shavuot, on parle de Teboah. Si quelqu'un n'a pas apporté Shavuot, il peut se rattraper le lendemain, c'est-à-dire Yom Teboah, le jour où on fait le Korbanot, dimanche par exemple. Mais nous on a vu qu'il pouvait 7 jours. Alors c'est ce que moi, c'est ce que moi continue de suite. Et Ari, ah si tu me dis ça, Neshot Menad, Had Yom Teboah. D'accord. Dans ces cas-là, il y a 15 jours de rattrapage alors. Donc la même question revient. Contre Rabbi Yoshaya. Non, mais c'est la question contre Rabbi Yoshaya, c'est pas Rabbi Yoshaya ici. Rabbi Yoshaya a dit on se rattrape 7 jours. Donc là on voit qu'on ne peut pas se rattraper 7 jours. Alors il lui répond, il dit monsieur, tu sais quoi? Emma Yeme Teboah. Ne dis pas Yom Teboah, Yeme Teboah. Yeme Teboah, c'est les 7 jours de rattrapage. Il ne les a pas utilisés. Donc il a aucune. Justement, il a 7 jours de rattrapage, comme les autres fêtes. Tashma, l'agma dit. D'Etan et Rabba Bat Shmuel, Rabba Bat Shmuel, il enseigne. Amna Torah, mene yamim vekadesh hodesh. Mene yamim vekadesh aser. Ma hodesh limnu yaw, afaset limnu ye. La Gemara dit comme ça. La Torah, elle a dit, mene yamim, compte les jours. Après, tu fais Rosh Hodesh. Après 29 jours et demi, etc., tu fais Rosh Hodesh. Mene yamim, la même chose pour Shavuot. D'accord? Tispedo hamishim yom, compte 50 jours. À la fin, Bekadesh Aseret, tu fais la fête de Shavuot. Alors l'agma a dit, Ma Hodesh Limnu Yaw. De la même façon que Rosh Hodesh
comment on fait Rosh Chodesh? Il y a 30 jours, Rosh Chodesh c'est un jour. Alors, Afraseret, comme la même chose, à Shavuot, comme il y a 50 jours, quand on arrive à la fin, c'est quoi? C'est un jour. D'accord? Comme pour Rosh Chodesh, tu as fait 30 jours et un jour Rosh Chodesh, là aussi on fait 50, puisque tu as compté des jours, alors la fête, ça ne peut être qu'un jour. Il va venir. Attends. Mais, voilà. Lav gamal mehod, esmahod jemahad, avazad mehad, c'est là la question. Donc n'est-ce pas que quand on compare Shavuot à Rosh Chodesh, de la même façon, Rosh Chodesh c'est un jour, donc Shavuot c'est un jour, donc il n'y a pas de rattrapage. Question de nouveau contre Rabbi Oshaya. Ah oui, mais ça c'est à l'époque du Beit HaMikdash, mais quand on sait quand est-ce qu'il vient les Eidim. Sur Pessah Sukkot, alors j'ai pas compris. Pourquoi sur Pessah Sukkot? Non, mais là on parle. Non, dans Pessah, la Torah t'as pas dit compte un certain nombre de jours et fait Pessah. Dans Shavuot, tiens, un petit peu de Hamishim Yom. Ah, 49 jours d'abord. Mais ça, il n'y a rien, des jours. La Torah dit compte des jours, après tu fais la fête. Compte des jours, après tu fais Rosh Chodesh. Alors si Rosh Chodesh c'est un jour, alors Shavuot c'est un jour. On parle de la fête, on parle pas de Tashlumin. On parle pas de Tashlumin ici. Mais la fête, c'est la fête. Donc il y a un seul jour. Tu fais Rosh Chodesh. Donc il y a un seul jour. Mais il n'y a pas de 30 ans. Eh non, eh non, sinon dans ces cas-là. Eh non, Rosh Chodesh c'est un jour. Shavuot c'est un jour. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un jour, il n'y a pas 7 jours. Si on dit Tashlumin, c'est qu'il y a 7 jours. Alors, répondez la bonne réponse. Amarava. Non, parce que la réponse, elle est facile. Vitesbela, attends, c'est du moment manina, Shivra la manina. Elle dit, mais attends, c'est pas marqué Shivra Shavuot Tisponar dans la Torah. Shiva Shavuot, c'est quoi? C'est le Ramadan, non? Ah, donc si tu comptes les semaines, alors la fête c'est combien? Ah. Une semaine. Ah, c'est plus joli comme ça. Ah, c'est beaucoup plus juste. Mais ouais. Mais ça fait rien. Mais il y a marqué Shiva Shavuot. Shiva Shavuot. Non, non, la fête c'est une Shavuot. Comme tu as dit, on compte comme ça, c'est comparatif. Il a l'agmar continué vers Amal Abaye, parce que d'où tu sais qu'il faut compter la Shavuot? Et voilà, ben il a dit. Misva les memne yomé, c'est une misva de compter les jours d'irtif tisbona hamishim yom. Oh misva les memne shvoa d'irtif shema shavot tisbona. Ah d'accord, tu vois bien que c'est shavot, c'est marqué. Véraud, on m'a dit encore plus. Har shavot ketiv. C'est marqué dans la Torah, har shavot. T'as fait des semaines, qu'est-ce que tu veux? Ah, des semaines, donc c'est une semaine. Donc il n'y a plus de problème, c'est facile. Devei Rabbi Elazar ben Yaakov Tana, dans la yeshiva de Rabbi Elazar ben Yaakov, on a enseigné. Amar Kra, lui Rabbi Elazar ben Yaakov, il apporte une autre preuve d'un autre endroit. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, Ukhlatem, le pasuk il dit comme ça, Ukhlatem be'esam ayum azem, Ukhlakotchi lachem, ça c'est dans Shavuot, après Ukhkos lechem, et Tresed azechem, etc. Alors l'homme a dit, Ezde ohashata kode be'kosed bu. Donc quelle fête? Il y a Mikra Kodesh, il y a Kristela, quand est-ce qu'on moissonne? C'est la fête de Shavuot. Oui? Et Mat, quand est-ce qu'on va moissonner? Est-ce qu'on va moissonner le jour de Yom Tov? C'est sûr que non, c'est Assur Yom Tov. Il est Mabi Yom Tov, Kristela, Bi Yom Tov, Meshare. Est-ce que c'est permis de moissonner le jour de Yom Tov, monsieur? Et la lave, les Tashumin. Alors, quand on a, comment la Torah a dit, tu vas moissonner à Shavuot? Certainement de la semaine de rattrapage contre ses hol. Donc tu vois une preuve. Alors le moine a dit V'af al gabdit ma de Rabbi Elazar ma de Rabbi Oshaya est c'est de Rabbi Elazar ben Yaakov. Le moine a dit attends, mais on a déjà vu Rabbi Elazar ben Oshaya. La première Rabbi Elazar ben Oshaya a dit que Shavuot il y a ta semaine 7 jours. Pourquoi lui il vient et rajoute encore? On le savait déjà. Il dit non. Bien que Rabbi Oshaya il a dit ça, on a besoin quand même de Rabbi Elazar ben Yaakov. Et on va montrer pourquoi. Pourquoi? Si on reste qu'avec les premières idées de Rabbi Oshaya seulement, parce que si, rappelez-vous, comment on a appris avec Rabbi Elazar ben Yaakov que Shavuot s'est rattrapé à 7 jours de Hagamatzot, vous vous rappelez? Alors il dit, attends, si on garde que cette idée-là, nous on va dire, Haga Pesah, il y a Yom Tov un jour, après il y a ces jours de Hol HaMoed. Oh, Hol HaMoed, c'est mon temps de travailler? Non, c'est un jour de travailler, il y a que des choses particulières. Alors tu vas dire à Shavuot, c'est la même chose. Le premier jour de Shavuot, le jour de Shavuot, c'est Shavuot, après les deux jours de rattrapage, c'est aussi un jour de travailler comme Pesah. On va dire ça, puisque tu fais le Hekesh, tu fais Hekesh total, jusqu'au bout. Mais si tu as fait Hekesh avec Hagamatzot, tu m'as dit rattrapage. Alors rattrapage, c'est rattrapage, c'est la même chose que l'autre. L'autre, c'est Hol HaMoed, c'est assez haut de travail. Là aussi, c'est en travail.
Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de la dracha de, ici de la Bélas de Ben Yaakov. Lui, il a dit non, moissonner à Shavuot, on ne peut pas moissonner. Quand est-ce qu'on moissonne les autres jours? Donc, on moissonne les autres jours, ça veut dire, donc, c'est les jours de semaine normal, il n'y a pas de Hanamaïd. Donc, je reprends les trois dernières lignes des hymnes d'Abel Zama de Meshaya. Si on prend l'enseignement d'Abel Shaya, Hava Mina Juridi. De la même façon que l'attrapage de Pessah est sûr de travailler parce que c'est Hola Moed. J'aurais dit que même Shavuot aussi, tu n'as pas le droit de travailler pendant les 6 jours qui suivent. C'est pour ça qu'on a pris la dracha de la Belaz Ben Yaakov où il te dit que lui, il n'y a pas du tout de rapport avec Hag Pessah et tu fais donc ce jour tu travailles normal. Alors pourquoi on ne prendrait pas seulement l'idée de la Belaz Ben Yaakov? Il dit parce que quand la Belaz Ben Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est marqué dans la Torah, d'accord, on a dit, tu moissonnes. Quand est-ce que tu moissonnes? Yom Tov, c'est pas possible. Quand? Après. Combien de jours? Il n'a pas dit. Dans sa dracha, il n'y a pas marqué combien. Il n'y a que deux Pessah, on apprend que c'est 7 jours. C'est pour ça que ça compte. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Là, il y a dans le Kama, on ne sait pas combien de jours. Lui, il a fait le Hekesh avec Hagamatot et on a besoin de 7 jours. Maintenant, Beresh Lakish. Amar, Resh Lakish rapporte encore un autre enseignement. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Vehar HaKasir, la fête de la moisson. Donc, quelle fête il y a la moisson? C'est Shavuot, tout le monde le sait. Là encore, Emat, quand est-ce qu'on moissonne? Shavuot, il aime bien Yom Tov. C'est là Yom Tov, Michalé. On peut moissonner le jour de Yom Tov, c'est pas possible. Et la lave, les tachomés, donc n'est-ce pas qu'on parle de rattrapage? Quel rattrapage? Les jours de rattrapage, comme on l'a vu. Donc, lui, Rabbi Rishakish, il prend directement vers Hakarasir. Parce que nous, ici, dans la Belaz Merakov, il a pris Ukhratem, Ukhusrechem. Il dit, il y a marqué Hakarasir. Deux mots, tu as déjà tout l'enseignement. C'est là où Rabbi Hanan lui objecte. Amar Rabbi Hanan. Et la Merata. Alors, si tu fais comme ça, Hagasif, c'est marqué aussi Hagasif dans la Torah. Hagasif, c'est Sukkot. Et Zéorachishbo Asifa. Donc, quelle fête on ramasse la récolte? C'est Sukkot. Ah oui, mais Zéorachishbo. Et Mat, quand est-ce qu'on va ramasser? À Sukkot. Yom Tov, c'est à Sour. Quand est-ce? Et le Mabi Yom Tov. Mais la Rabbi Yom Tov, Meshare. Et là, quand est-ce? Beholosh el Moed. Comment dit comment? Le Holos Moed Meshare? Comment Holos Moed c'est Moutab? C'est à Sour de travailler Holos Moed. Mais quel problème? Mais ça, c'est pas d'abord la bête. Alors il dit, Rabbi Yohanan, c'est pour ça que, comme ici, Ella Haraba Bizman Asifa. Ça veut dire que ici, on est obligé de dire, quand la Torah dit Hag Asif, c'est pas la fête pendant laquelle tu vas ramasser. C'est la fête qui survient dans la période. Donc il n'y a aucun limoud. Alors toi aussi, c'est pour ça qu'il dit, Achanami Haraba Bizman Kisera. Là aussi, dis-toi aussi, quand tu as pris de Haga Kassir, je peux te dire, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas apprendre là, comme tu as dit, dans quelle fête on moissonne, c'est pas Yom Tov, c'est après. Puisque Haga Asif, ça ne marche pas, donc Haga Kassir non plus, ça ne marche pas. Et donc, on est obligé de dire là-bas aussi, Bizman Kisera, c'est au moment de la moisson. Quand est-ce que c'est? Ben, c'est la période de Shavuot. Donc, ton enseignement à toi, Rishakish, ne serait pas donc valable. C'est pour ça que Rabbi Yohanan. C'est Rabbi Elazar ben Yaakov qui a pris ça. Ça marche bien. Oui, mais lui, il a pris deux psukim différents. Il a pu faire la drasha. C'est la période? Ben non, puisqu'il y a marqué Ukhratem, 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 c'est quand? C'est Yom Shavuot, Yom Tov. Après, Ukhratem, Ukhratem, tu ne peux pas bien Yom Tov. D'accord. Et Rabbi Elazar ben Yaakov, il a pris la drasha, donc il a associé sa drasha avec celle de Rabbi Sharia, donc c'est pour ça que ça marche. D'accord? Voilà, on arrête la pause.